Bonjour à tous, je suis heureux de vous revoir et de vous retrouver pour décrypter un nouveau quatrain sur Nostradamus. Alors Nostradamus, dans cette centurie numéro 6 et ce quatrain 75, que nous dit-il Le grand pilot. En italien, le grand pilot, c'est piloto. Et oui, Nostradamus utilise tellement de, de façons de, de construire ses quatrains qu'il nous perd parfois et qu'il faut retrouver de quoi il a pu se servir. Pilo, le grand pilote, c'est le grand piloto, le pilote, le pilotare, piloter. C'est celui qui conduit. C'est un petit peu ce qu'ils font retenir, le grand pilote, on pourrait dire maintenant le grand pilote par roi sera mandé du latin mandatus commissionné pourvu d'une charge c'est un petit peu le sens qu'on pourrait donner à notre époque hein, tout simplement laisser la classe alors la classe là encore il faut faire appel au latin la classe en latin c'est classis la flotte l'armée navale donc, laissez la classe pour plus haut lieu atteindre. Sept ans après, sera contrebandé. Contrebandé, ça vient du roman. Contrebandé, marchand, en bande contre. Barbare armée, viendra Venise craindre. Alors, regardons la construction un petit peu que Nostradamus a voulu donner à son quatrain. Celui qui aura obtenu du roi une commission d'amiral, mandé grand pilote. Vous voyez, c'est cette construction. Et c'est vrai qu'à l'époque, le roi nomme les amiraux. Donc celui qui aura du roi une commission d'amiral laissera la flotte pour atteindre à un plus haut rang. Plus haut lieu, il fallait comprendre. C'est ce que notre Adamus nous raconte. Sept ans après, il marchera en bande contre son souverain. Il va faire donc de la contrebande contre son souverain. Venise viendra, craindra une armée de barbares qui viendra contre elle. Voilà un petit peu la construction du quatrain Je vous rappelle que c'est la défection de l'amiral Coligny. Alors que peut-on en dire Analysons. Gaspard de Coligny fut élevé au grade d'amiral par Henri II en 1552. Il résignera sa charge, on va dire qu'il va laisser, il va démissionner, on pourrait le dire comme ça, en 1559 à la mort du roi Henri II pour se mettre à la tête du parti calviniste. Donc contre le roi de France. Je vous rappelle que le roi de France, lui, est catholique. Nommé en 1562 premier lieutenant général des calvinistes, il sera en 1567, soit sept ans après sa démission, au plus fort de sa rébellion, et le principal instigateur de la guerre civile. C'est ce que j'ai voulu vous dire en tant qu'il sera contrebandier. Ce n'est pas le bon terme choisi parce que Nostradamus nous dit contrebandé. Il sera donc plutôt, on va dire, en opposition par rapport au roi de France. Ces événements vont coïncider avec le temps où Venise craindra les armes victorieuses du sultan Sélim II, celui que Nostradamus nomme par armée barbare. Qui enlèvera de vive force l'île de Chypre en 1570. Alors, la paix entre les catholiques et les protestants fut signée à Saint-Germain en cette même année 1570. Et vous voyez que là, tout se cumule, tout se met en place. Et que Coligny, amiral nommé par Henri II, s'est retourné finalement contre les mêmes fils de, ce, de Henri II. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour un prochain 4-1. Allez, à très bientôt.